Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail, j'ai pas fait de soin sur mes cheveux. Non, seulement ça fait un bail, j'ai pas été sur YouTube. Ça fait pratiquement 2 semaines, 3 semaines. Et c'est le temps que j'ai fait et voilà, mes cheveux sont restés assez secs à cause des multiples déplacements que j'ai fait. Mais aujourd'hui, j'ai fait un soin qui viendra les revitaliser comme vous avez vu en vidéo. Voilà, j'ai utilisé le henné. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait un soin protéiné sur mes cheveux. Beaucoup de soins hydratants et moins de soins protéinés. Donc, mes cheveux m'ont montré aujourd'hui qu'ils avaient besoin d'un peu de ténacité. Voilà, quelque chose de fortifiant et j'ai opté pour le henné. La recette, je vais vous mettre ça en lien parce que j'avais déjà fait cette recette sur ma chaîne YouTube. Et c'est une recette que ma maman utilise beaucoup sur ses cheveux. Voilà, pour avoir des cheveux forts et tenaces, voilà. Parce qu'elle n'a pas le même type de cheveux que moi. Elle a un cheveu beaucoup plus épais, voilà. Donc, c'est ce qu'elle utilise pratiquement une fois ou deux fois chaque mois, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ce soin qu'on va utiliser sur mes cheveux, vous voyez. J'ai des cheveux super rêches, super, cassants à vue d'œil et tout. Mais bon, on va arranger tout ça. Avant d'utiliser un soin protéiné, il vous faut humidifier vos cheveux. Voilà, n'utilisez pas de soin protéiné si vous avez des cheveux très durs. Enfin, ne manipulez pas vos cheveux si ouais, vous ressentez beaucoup de casse. Enfin... Beaucoup de... Comment je vais dire ça? Voilà. Bref, je ne sais pas comment expliquer. Beaucoup de sécheresse. Voilà, je pense que c'est ça le mot. Beaucoup de sécheresse sur les cheveux et vous voulez les démêler et tout à sec. Non. Humidifiez-les toujours parce que le cheveu crépus, qu'importe sa nature, une fois qu'il est humidifié, il est prêt à être manipulé. Donc, vous voyez, je n'ai pas... manipuler mes cheveux au hasard. J'ai commencé par humidifier avant d'appliquer le soin protéiné parce qu'il est aussi fortifiant. Donc, qui dit fortifiant, lui dit... comment je vais dire? Il durcit aussi les cheveux. Donc, faites attention. Si vous avez un cheveu déjà sec et vous utilisez un fortifiant dessus sans avoir humidifié vos cheveux, il est fort probable que vous... ayez beaucoup de casse. Donc, manipuler les cheveux crépus, c'est connaître voilà, les méthodes, avoir des stratégies qui viendront nous aider à mieux les gérer. Voilà. À mieux les tenir. Donc là, vous voyez, j'ai essayé de mettre le produit partout, tout doucement. Donc, je prends mon temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, je fais avancer rapidement la vidéo pour que, je ne vous perde pas le temps. Mais j'ai pris le temps qu'il fallait parce que si j'ai fait 2 semaines sans prendre soin de mes cheveux, il fallait donc, je prenne assez de temps pour les préparer doucement. Bah après, j'ai utilisé mon shampoing au gel de cuir. Je vous ai déjà montré cette vidéo. Enfin, la recette. Voilà, donc ça enlève bien les résidus. Parce que le henné que j'avais n'était pas bien moulu. Bon, ça m'a enlevé bien les résidus et voilà le résultat. Un cheveu bien dur, un cheveu brillant, un cheveu... souple, voilà. Et après un soin fortifiant, je vous recommande de faire un soin hydratant. Voilà. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natives. N'hésitez pas de vous abonner sur mes nombreuses pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. Voilà. Aux prochaines vidéos. Allez, bisous, bisous. Regardez et admirez la brillance. J'attends les commentaires.